Janusika uja ni njulize u zajiri ni mwambie ni brièvement inamuna zeno wazavira. Mkinisha wa kekonferansi, shandi ikaya imkinishi harisarre imise haina element ya lazimu rijeri komunike namna ikawunga mjojua kuhuzisa suala. Baisho ima suala miutani ya limise. Aureveni arume suje, lejio la jana. Usiku juma msizoni mwa hili jio ngabo mne jana uparo wa medabdu ujule hani no hafanu mumjini Salmani ya itenraya halawa ya rehitwa ye raisi wa hejaula na yeye hakana shunodi shapani ikao shinulwa zekotezo mbili shunodiri shionu nga sinisho. Baadhi ya tahaya mrehitwa raisi wa hejaula hajuruhi wanruwaili. Yani wanruwaili wao ngabo mrumzima mumjini Salmani ya itanraya ikawo ye proshi wa hemruwe hafa ujuliani haha jawad. Ewabili di raisi wa hejaula ikawo hapoza sha ye kuma ye ununu wahe kauti wa hukaya rikena harara ya hukaya hakoza ku yani elua kimanga savi nepa andanje ngamjo muna harumwa ze hafla raba usu nizu yao o bani ya hafanya shete ndwa shila ye sekurite ya president wa metrize wa mrengi. Bandi ya wa mrenga, wa mbalia, wa mnika, wa andru wa ladhimu wa edilene anketi. Yanu da wanuma anketi yori wakufanya, zetabu hiti, ata idusi hisa, ibalo John Makama. Bandi ya wa mnika ima anketi yori, ye eta, ye motu ya kaya, wa andru wa unukangi umasulaha, ya hanti wa yabo, ya jiboleze ranzi, uhashifu, ngea jiaishiliwa. Yabo yunde kawaida. Haizo haizolewa. Hatilwa fukoni lahe haeche. Wanruwa mranzi. Ohuja vantrasi maanketweri. Huenda wabue. Watahe wamrenge wamwishilie. Wahunru halala hanyongoha. Wonti katulisa. Wapara doktor. Doktor hajamangalia. Hahunru ya ukaya wala kati hono duniani. Rengeze disposition kuhori haba sainu isai wasuli homjini hao Salmani ya itanraya. Ngamu nesu ya ukaya ngae anketi ngendele yao hakote mbili deza jiri ezinu zijiri izika ujirije za jana za utahayati neza leo eba nuhafuji hoso niho eka ngabo za utahari mwambieni ngarjumu parani rimjulize. Izo ni ziyadari. Halua ya kimanga, au cours de l'après-midi du 13 septembre 2024, à Salimani Itzandra, un jeune nommé Ahmed Abdou, alias Fanou, qui est âgé de 24 ans, originaire de cette localité, s'était servi d'un couteau de cuisine et a voulu attenter à la vie du président de l'Union des Comores. Qui s'était rendu dans cette localité à l'occasion des obsèques d'un grand chef, d'un grand cheikh des Comores. Au cours de son action, deux personnes sont blessées, dont un proche du défunt et le président de l'Union des Comores, qui a été légèrement blessé. Je vous rassure que sa vie n'est pas en danger. Les agents de la sécurité du président avait immédiatement maîtrisé le jeune et l'avait remis par la suite aux enquêteurs. Lorsque les enquêteurs se sont présentés ce matin pour l'auditionner, ils l'ont trouvé allongé par terre et inanimé. Le médecin s'est présenté et après l'avoir examiné, il a constaté le décès. Je vous rassure qu'une enquête est en cours pour comprendre les circonstances ou bien les raisons qui avaient poussé le jeune
à vouloir attenter à la vie du président de l'Union et il y aura encore une enquête qui va élucider les circonstances de sa mort. Merci à vous.